この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et c'est à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Roadster sur la version N64. Alors pourquoi cette décision? Tout simplement parce que la version Dreamcast est considérée comme la version la plus pourrie quasiment du jeu, suite à une maniabilité qui est totalement différente. Donc c'est un jeu qui à l'époque avait reçu des notes assez dégueulasses, sauf pour la version 64 qui était assez correcte. Donc c'est un jeu, comme vous devez vous le deviner, eh bien on va rouler avec des Roadster. Donc je vous propose de voir les options du jeu. On peut changer de langage, on va mettre français tant qu'à faire, on va changer l'unité de vitesse, on va se mettre en kilomètre heure. On peut changer les volumes, les bruitages des voix, on va laisser... on peut laisser par défaut, hein, voilà. Petite musique, c'est sympa, c'est douce pour commencer, avec un petit effet d'eau très très cool derrière. Donc c'est un jeu développé par Titus, donc Titus, c'est soit c'est bien, soit c'est de la merde. Donc dans l'absolu, on va voir sur quoi on va tomber sur la 164. Donc on a un mode entraînement, un mode ressatrophie, un mode contrôle à montre. On a des pilotes qu'on choisit, donc par exemple ici on a Ricky, on a Angelica, Alex, Maylin, on a Monsieur Slim, on a Linda, on a Billy, Rena et Ricky. Ce qui est pas mal, ça fait un gros paquet. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à... s'il y a vraiment un intérêt à choisir plutôt l'un que l'autre par rapport au reste. Bon, en tous les cas... voilà, bah écoutez, je vais prendre Angelica, ni Alex, parce qu'Alex en plus il me fait un doigt, j'aime pas trop ça. Et on va prendre Maylin. Comme par hasard, vous allez dire. Alors, on va changer notre nom. Là. Donc, on va faire OK. Alors, donc là on a des catégories, donc course de catégorie C, donc il faut moins de 250 chevaux. On a une catégorie entre 250 et 350 et plus de 350 chevaux. En niveau expert, on va faire le niveau catégorie C pour commencer. On a plusieurs circuits, notamment Rocket Base, Temple, Ski Resort, Area 51, Oilfield, Tudor Village. C'est un jeu qui est, vous allez le voir, pour un jeu qui paye pas de mine à la base, plutôt intéressant dans le nombre d'options qu'il offre. Donc là on a le château, voilà, donc on a fait un peu le tour. On va peut-être faire les derniers en premier, on a des chances de pas tomber dessus au début. On va prendre par exemple le village Tudor, on va prendre celui-là. On peut choisir la météo, donc la pluie, l'aléatoire, le soleil, et les conditions météo ainsi que vos choix ont une influence énorme. Vous allez voir, c'est quand même vraiment sympa. On peut le faire en... voilà, on peut pas le faire pour le moment, mais on peut le faire en sens inversé un peu plus tard. Avec le record du tour en 1:30. On va faire OK. Et voilà, donc là on a une suite de... voilà, des voitures. Alors vous allez voir qu'il y a à la fois des modèles avec des licences dessus, et d'autres, il n'y en a pas. Techniquement ici, là, on a le Renault Spider. Vous allez voir, il y a pas mal de choix. On a la Scala SK. Je vous laisse deviner à quoi elle ressemble. Vous allez voir au fur et à mesure, en fait, il y a des fois, c'est des marques inventées avec des 3D qui ressemblent à une voiture connue. Typiquement, là, on pourrait dire Hyundai TT. On a une Alfa Romeo Spider. Alors, je peux changer la couleur. Hein. Par exemple, en rouge. J'ai une Fiat Barchetta. On peut voir les chevaux, hein, 136 au-dessus, etc. On a une Mindstar 200R. Vous aurez compris que c'est une SLK 200. Ça va faire plaisir à quelqu'un ici, je sens, sur cette vidéo. On peut changer donc toujours la couleur, pareil. On a une Equinox X280, ça c'est une BMW. Donc évidemment vous aurez compris, vous aurez reconnu le Roadster Z3. On a la Lotus Elise, donc là ils ont mis la licence. La Lotus Elise c'est plutôt en vert d'ailleurs, en bleu. On a une Ibella Zeta MK3. Donc ici c'est une MG Roadster. On a une Lotus 7. Donc vous voyez 174 km/h, elle est très légère celle-là. On a une Jugetsu JS3, c'est une Mazda MX5. Je vais changer la couleur un peu. Ouais, c'est en rouge en général, c'est un bon choix pour les voitures. Une Ginita G33, Ginita c'est un coaster qui existe vraiment. On a une Alfa Romeo Giulia, donc un ancien modèle. Il y a pas mal de modèles. Franchement, pour un jeu de roster, j'imaginais qu'il y avait 4-5 modèles qui allaient popper, mais en fait il y en a pas mal. On a la Borato Millennium, alors ça c'est une S2000. On a une Toyota MR Spider. On a la Renault Spider. Ouais, il y a quand même pas mal de choix. Et là, on est que dans la classe C, c'est-à-dire la classe des voitures les moins puissante, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on a en catégorie B. Ah, on peut pas.
Mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure en contrôlant, vous verrez. Donc on va prendre la catégorie C, je vous montrerai la suite après. Donc on va faire ça. On va prendre... bon, je sais pas, écoutez, on n'a pas l'habitude de prendre un Renault Roadster, donc on va le prendre. Une voiture qu'on n'a pas l'habitude de prendre en général dans les jeux. Et donc c'est parti. Alors, vous allez voir que déjà sur le circuit, donc on a le tracé hein, qui s'affiche sur le côté. On a une entrée des stands. Vous allez dire, pourquoi faire, c'est un jeu qui est de roster, bon... Bah écoutez, ça va vous permettre de changer les pneus. Et les pneus c'est super utile parce qu'il y a vraiment une énorme différence entre les gommes que vous allez prendre. Alors par contre j'ai peut-être baissé légèrement le son du jeu, en tout cas de mon côté, parce que j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu fort. Bah, je vais enlever un décibel, voilà. Donc, on est parti sur un circuit, ma foi, comme vous pouvez le voir, totalement inventé, circuit fictif. On a plusieurs vues, je vais essayer de vous en montrer une, on peut aller une plus proche. Alors qui est, bah, je sais pas si vous vous en rendez compte, un peu compliqué à utiliser parce que le roster limite prend toute la caméra. On a une vue embarquée, enfin en tout cas ras du sol avec un petit rétroviseur. Et c'est tout. Pour remettre en arrière, voilà, pour mettre une vue le plus large possible. On a le contour évidemment avec le nombre de kilomètres parcourus dedans. Avec la vitesse enclenchée et les régimes moteurs, donc le HUD. HUD très classique, hein, avec vous voyez, la place sur 8. Il y a 8 voitures en même temps, ça c'est pas mal. Et on a 4 tours à faire. On peut voir sur le circuit, bon, il peut y avoir quelques endroits où gagner du temps, mais c'est assez léger. Et encore sur un circuit assez simple là. Ouais, je suis à fond, hein. Je veux dire, je ne ralentis pas, je n'ai pas essayé de frein quasiment une seule fois. D'ailleurs, vous voyez que les phares ne sont pas allumés une seule fois. Le maniement, franchement, les 64, c'est souvent critiqué à 64 pour le course parce que le maniement était vraiment compliqué. Là, regardez, franchement, ça répond au doigt et à l'œil, c'est pas trop anarchique. Ça tourne plutôt bien, enfin, ça tourne plutôt bien, ça dépend après évidemment des rosters et la vitesse à laquelle on prend les virages. Mais ça répond bien et c'est pas trop fou. On peut vraiment doser, là je peux doser, tac tac tac, je prends mon virage, nickel. On n'a pas l'impression d'avoir des gros à-coups énormes. Et c'est pour ça que sur la Sandrinka ça a été vraiment dommage, parce qu'en plus le jeu était pas plus beau. Et la maniabilité est dégueulasse. Là pour voir, donc on est sur 64, avec toujours la restriction que cela importe, mais honnêtement le jeu est plutôt joli. Hein. C'est quand même un jeu très bien fait, regardez, ça manque pas de détails, c'est fluide. C'est quand même vraiment intéressant. Là on est deuxième, j'ai du mal à rattraper, hein. Je suis à fond. Faudrait vraiment que je fasse aucune bêtise pour le rattraper. Et je sens que je vais en faire une dans pas longtemps. On a aussi voilà le moulin. Là je vais peut-être réussir à l'avoir à l'accélération. Le petit... ça c'est quoi? C'est un MR2 devant nous. Si on peut gagner la course, ce serait sympa. Pour une première course. Ouais, peut-être qu'on peut aller plus loin plus tard, peut-être qu'après on débloque une version de circuit plus longue, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres circuits à débloquer, ça c'est un inconnu évidemment, parce que je vous rappelle qu'on découvre le jeu ensemble. Donc le jeu, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a à découvrir entièrement. Alors là on va peut-être pas vous montrer tout de suite, mais je vous montrerai après en mode contre-la-montre les différences en fait avec les gommes. Et vous voyez que l'IA, elle reste à sa vitesse. Il n'y a pas genre, vous arrivez devant, il y a l'IA qui se resserre en allant plus vite que vous d'un coup. Non, 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 ils gardent leur vitesse. Tant que vous ne faites pas d'erreur, vous allez rester devant. Et ça, c'est vraiment, vraiment super bien. Parce que souvent, c'est un petit peu la tendance dans ces jeux à l'époque, enfin, dans ce style de jeu. C'est qu'on faisait un peu façon Mario Kart. Vous êtes derrière, toutes les voitures sont lentes. Vous êtes devant, elles sont super rapides. Là, regardez, bah, je fais comme d'habitude. Ils ne gagnent pas forcément d'avance. Il va peut-être en prendre un petit peu parce que je me suis loupé sur le vibreur. Et voilà, il est passé. Il est passé. Et du coup, bah ouais, donc pour aller sur la ligne d'arrivée en première place, ça va être compliqué parce qu'il va falloir rattraper comme ça d'un coup. Ah, faut que je prenne l'intérieur, vous voyez, pour gagner un petit peu de mètres à parcourir. Alors, quand je tourne, évidemment, la vitesse baisse, hein, parce que je tourne un peu trop fort. Il va falloir avoir des trajectoires un peu tendues. Là j'ai touché, et là on va arriver au pit, il a gagné je pense hein. Je sais pas s'il y a l'aspiration qui marche, on va se mettre juste derrière lui. Non, l'aspiration n'a aucune importance. Et du coup on termine second pour 16 centièmes de seconde, ce qui est très peu. Donc on peut revoir la course. Pas que le replay a manché, voilà. Le mode replay. Ma foi, vous allez voir, assez correct.
C'est un jeu qui m'a surpris. Vraiment, je m'attendais pas à grand-chose. Bon, il est pas parfait, vous allez voir, hein, il n'y a pas non plus... ce sera pour moi notre jeu de l'année. Mais à l'époque, ce 64, au vu du peu de nombre de jeux de voitures disponibles, enfin en tout cas, il y avait les Top Gear qui permettaient d'avoir pas mal de jeux de rallye, ce genre de choses. Mais c'était, les Top Gear n'étaient pas des jeux non plus exceptionnels, hein. Des fois c'était très très mauvais. D'avoir un bon jeu de voiture, si on sortait de, à la limite du cadre course Mario Kart, il n'y en avait pas beaucoup. On va faire Start, on va faire OK, et on va revenir au menu principal. Alors, on a un mode d'entraînement, donc ça on va le garder pour tout à l'heure, enfin on va faire le Restart Trophy après, je vais vous montrer. On va faire un contre-la-montre. Voilà, on va prendre par exemple, bah, pourquoi pas le circuit de Ski Resort, dans la zone 51, c'est par exemple. On va faire ça. On va changer de voiture, on va prendre par exemple une, bah je sais pas, allez, on va faire plaisir à quelqu'un. Voilà, on va la mettre en couleur plutôt classique. Et après, on testera d'autres voitures. Voilà. Je vais vous montrer un tour en fait avec la voiture, avec des gommes normales, des gommes tendres pour la route de tous les jours. Et ça me permettra de découvrir le circuit de la zone 51 avec des tanks, tout va bien. Alors, j'ai pas vu s'il y avait de, bah, justement des vues arrière, j'ai pas l'impression. Si je fais Z, il se passe rien. Là, je freine. Là, je change la vue, on l'a vu tout à l'heure. Mais je trouve pas de vue arrière par contre, je sais pas s'il y en a une. Peut-être pas hein, en fait. Et là, on passe dans un petit passage. Oh, il y a un hélicoptère au-dessus. Regardez, c'est assez sympa, on est dans notre temple maintenant. Et là, vous en rendez pas forcément compte, mais chaque fois que je vais changer un petit peu de. Voyez, ouais, ici par exemple, je suis sur le. Je suis sur de la terre. Potentiellement d'autres gommes peuvent s'y mieux à ce genre de revêtement. Donc des fois c'est un choix à faire. Là bon ça va, il n'y a pas trop de zones avec du sable ou, enfin, ou du gravier. Du coup je vais rester avec mes tentes. Mais si je change, regardez, vous allez voir. En plus on a une belle animation avec des gens dans les stands. On peut choisir les pluies, les cloutés, les neiges, les slicks, les pluies. Si je prends par exemple des pneus, bah, des pneus cloutés. Imaginons, hein, je fais un faux choix. Plus on peut voir l'intérieur de la voiture, le cockpit, tout ça. Alors vous avez vu que le volant est super bas par rapport au cockpit. Gros. Ça, c'est pas un bug, hein, mais c'est. Je pense qu'ils ont fait. On sent que la personne, elle est sous le cockpit. Là, par exemple, ça tourne quasiment plus. Là, je suis à fond, hein. Je tourne à fond, je vous montre quand même. Donc je pense que je vais avoir, par exemple, énormément de grip. Ça, c'est pas trop grave. Et par contre, la voiture n'accélère pas et elle tourne difficilement. Donc c'est vraiment le mauvais choix à faire, et par contre si j'étais sur la neige, vous avez vu qu'il y avait un circuit sur la neige, bah d'un coup la voiture serait beaucoup plus... enfin les pneus seraient plus adaptés. Bon, on va quitter, dès qu'on a la rétroviseur d'ailleurs. Et si on fait voir la scène... Regardez, je peux faire une pause, carrément. Je peux zoomer, et justement je vous montrais tout à l'heure, regardez le volant. Le volant il est décalé de 20 cm, même pas, 50 cm par rapport au cockpit. J'ai l'impression que c'est un asset qui est fait par défaut, c'est-à-dire qu'en fait ils ont mis le personnage avec, avec le volant, puis ils l'ont juste collé à chaque fois dans chaque bagnole. Du coup c'est assez bizarre. Bon, on va faire quitter. Et on va du coup aller voir ce fameux mode. Alors faut que je fasse le menu principal, pardon. Le roster trophy. On peut jouer en multijoueur, mais bon, j'ai pas d'amis pour jouer actuellement avec moi. Peut-être changer de personnage, on va prendre Linda de Souza, Billy, Rena, Ricky, Martin. Bon, Alex, je te prends Alex. Tu peux prendre les sentiers. On va laisser le nom. Puis dans chacun leur petit Laius, qui d'ailleurs, quand on est en course, ils peuvent parler. Alors, on peut faire une nouvelle saison. Au début, on n'a pas de voiture. Trophée rien, saison 0. On n'a aucune voiture et on a 45 000 crédits. Donc on peut aller au garage, vous allez voir. On peut donc customiser la voiture, vous allez voir, c'est pas mal. On peut acheter ou vendre, donc là on va acheter un véhicule. Et je vous ai montré les modèles de base de groupe C, voilà, que vous avez ici. Mais après on a des modèles un peu plus rapides, vous allez voir, c'est sympa. On a... alors on n'y est pas encore. Bon, je crois qu'on va y arriver, c'est après celle-là. Voilà, alors on a une TVR, Chimera 500. On a une Viceman Roadster. Alors Viceman, c'est vraiment un constructeur qui existe, hein, je précise. Par contre, j'en ai jamais vu de ma vie, hein, concrètement, rouler. Et on peut voir aussi les kilomètres au compteur. Vous voyez qu'il y a 0 marqué. Il n'y a pas d'extra, hein, d'ailleurs.
On a une Vertige. Alors Vertige, je me demande si c'est pas une. Oui, c'est une Corvette en fait. C'est une Chevrolet Corvette décapotable. On a une Exeter Autoroad, donc ça c'est un Petit Cruiser. On a encore une Equinox, mais là c'est une version EX320, c'est-à-dire c'est une version un peu améliorée, donc elle est plus puissante. On a une Okina Corsair, alors ça c'est une Firebird, hein, carrément. Manta Speed Rapier, c'est une Porsche Boxster. On a la Mitsubishi STT Spider. On a ensuite la Victory Fantasy, alors ça je pense que c'est une Jaguar type E. Une Vertigo classe X, donc là on augmente, on est en classe B toujours pour le moment. Et là on passe à la classe A, donc on a une Ferrari 355, je pense que c'est ça, hein. Une Viper T10, alors évidemment une flemme, ils n'ont pas eu les licences. Une Mindstar 600 cette fois-ci, avec bon, elle coûte 96 000, elle coûte beaucoup plus cher. On a une Arrowhead Falcon, donc là c'est une Shelby Cobra. Une Victory Desire, ça c'est une Jaguar XJ bah, 220, je pense, je dis pas de bêtises. On a une Arbonne Nova 12 classe A, regardez-moi ça. Alors ça c'est une Ah, je sais plus ce que c'est comme voiture par contre. Une Jaguar ou une Ford GTK 50 peut-être. Bon, c'est bizarre. Une Equinox Apogee 7, donc encore une autre version. Ça c'est la Z8, celle d'ailleurs de James Bond. Et Velociraptor, c'est une Diablo Roadster. Donc là, voilà, ils se sont amusés en fait à prendre des versions de base et ils ont mis des versions roadster. Et on a une Ferrari F50 ainsi qu'une Ford Indigo que je ne connais pas d'ailleurs. C'est un faux, je vois cette voiture. Alors je ne peux pas les prendre évidemment au début. J'ai 45 crédits, mais il faut prendre en compte le fait que pour commencer la course ou le premier championnat, il faut 20 000 crédits. On peut se dire par exemple, ben voilà, je peux m'acheter typiquement. On va sortir de la classe 1, mais. Par exemple. Bah, typiquement, ça là, normalement, je ne peux pas l'acheter. Voilà. Parce que si je fais 28 000 plus 20 000, ça me fait 48 000. Et je n'ai que 45 000. Et c'est bien dommage parce qu'une S2000, j'aurais bien voulu. Bon, après, ça c'est autre chose. On a l'Alfa Romeo Giulia classique. On a une Ginetta. Alors, typiquement, je vais prendre une voiture qu'on n'a pas l'habitude de prendre habituellement. Hein, parce que c'est quand même des voitures qu'on n'a pas souvent le cas de voir. G7, ça peut être sympa aussi. Non, ça on les a déjà faites. Fiat Barchetta, c'est connu. Bah, je vais prendre une Ginetta, tiens. Allez, c'est parti. Ou une MG. Dans MG, il y a moyen d'en voir d'autres jeux. Alors qu'une une Ginetta, c'est pas tous les. Ah, mais elle vaut 28, donc je peux pas. Mince. Non, bah, pas une MX5. On va prendre une Lotus 7, tiens. Donc on va l'acheter. On peut customiser, vous allez voir. Donc on a le moteur, le turbo, l'échappement, la boîte de vitesse, les pneus, les suspensions. Et vous voyez les pneus? On a par exemple des super slick qui ont 10% plus d'adhérence que les pneus slick. Un jeu de 4 pneus à utiliser une fois. Ça coûte que 600. On a des pneus pluie, donc 700. On a des super cloutés, des super neiges. Donc ça améliore un petit peu notre adhérence. Hein, vous l'aurez compris sur les chaque super. On va faire retour. De toute façon, pour le moment, je ne peux pas acheter grand-chose puisqu'il me reste que 20 000 crédits. Et du coup, qui dit 20 000 crédits dit juste la somme qu'il faut pour l'inscription. Enfin, une nouvelle saison. Et donc voici la saison 1 avec 6 courses au programme. On va démarrer tout de suite. On peut faire des réglages. Donc par exemple, je peux choisir mes gommes par défaut. Donc là, je vais mettre slick parce que c'est un circuit où on est sur le sec. Je peux changer les suspensions, mais je ne peux pas pour le moment parce que je n'ai pas amélioré ma voiture. Les rapports, je ne peux pas les modifier. La boîte, non, automatique non plus. Donc réellement, à part les pneus au début, vous n'allez rien pouvoir changer. Donc on va faire. Non, c'est bon. Attendez, je me suis trompé. Entrée. Je ne comprends pas. Ah oui, c'est réglage, voilà. Départ. Ici, on a Rumble Pack, donc pour pouvoir voir la vibration, évidemment, on peut l'intégrer dans la manette. Avec un petit perroquet, ou un papagayo, ou enfin ce que vous voulez. Et c'est parti. Vous voyez, là, je suis bridé à 173 km/h, c'est pas beaucoup. Et on est 8. Et on part en position 4. On part pas dernier, le jeu nous aide quand même un petit peu dès le début. On est. Et là, regardez, on a une fusée, c'est rempli de petits détails. C'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. C'est qu'ils ont fait l'effort quand même de. Bah voilà, comme j'appelle, on est 64. De faire les textures qui sont correctes. Les textures, bon, elles sont pas trop floues. Je trouve qu'il y a déjà eu pire. Il y a du détail, le jeu est fluide. Franchement. Y a pas grand chose à demander de plus hein, pour un jeu de ce style. Ouais, je trouve que le jeu s'en sort plutôt bien. En revanche, moi en termes de skill, je m'en sors moyen pas trop.
Alors après, reste à voir si chaque roster a un maniement différent ou si c'est tous le même. Pour l'instant, je sens pas trop de différence, hein, concrètement. Et là, je m'éloigne. Là, je perds du temps. Ah, j'ai l'impression qu'il va un peu plus vite quand même, le Mercedes. Je vais vous laisser un petit peu avec la musique, profiter un petit peu du jeu. Là, bah pour le moment, je m'en sors pas vraiment, hein. J'ai vraiment du mal. Alors, j'ai peut-être pas pris le bon truc en signe, hein, mais... Je vais pas faire d'erreur pour essayer de gagner un peu de temps. Donc là, on pourrait rentrer pour le stand, mais on va pas le faire parce qu'on a les bonnes gosses. On va dire que ça va super bien. En plus, je perds du temps. Hein. Devant moi, ils sont. Regardez, la Mercedes est de plus en plus rapide. Donc, je pense qu'on va rester à cette position. Je vois pas comment on pourrait remonter d'un coup. En plus, je me suis planté. Ça va permettre à la voiture derrière de revenir. Et il y a 5 tours à faire en plus. En tout cas, on part pas super bien. Je me demande si j'ai pas pris le mauvais modèle d'ailleurs. Bon, pas grave. Alors, le fait d'être en classé et d'avoir une voiture assez bridée, c'est. Ça donne pas l'impression que le jeu est très rapide. Mais j'imagine qu'en groupe CB et qu'en groupe A, ça sera pas la même chose. Même si on a meilleur la voiture. On verra aussi l'argent qu'on remporte à la fin de chaque course. Est-ce qu'on gagne de la monnaie proportionnellement à notre place de fin? Ah, les écarts ne font que s'agrandir. Hein. Pour l'instant, on a fait 9 km avec la voiture. Et quand je vous ai dit que l'IA ne s'adaptait pas à nous, vous en avez le cœur net. Hein. Je vais m'occuper de rester 5ème, hein, parce que derrière, bon, on arrive à les distancer un petit peu. Aïe! Aïe, mince. Ah, c'est dommage, parce que j'ai peut-être fait un temps correct, là. Mais je pense qu'avec l'argent qu'on va remporter, on va pouvoir améliorer un petit peu le véhicule. Là, pour le moment, on est vraiment trop lent. Il faudrait vraiment que j'ai un turbo, quelque chose qui m'améliore la voiture. Parce qu'à la régulière, là, honnêtement, vous avez vu, j'ai fait un tour correct tout à l'heure. Je gagne rien du tout, hein. Je gagne vraiment... je fais que perdre du temps, en fait, par rapport à eux. Vous voyez, ici, il n'y a pas de raccourci. Hein. Pour le moment, je n'en ai pas vu un seul. Il y en a pas. Hein. Et la Mercedes, ça a rattrapé le troisième, j'ai l'impression. Ah, et je glisse. Attention dans les droits de ne pas perdre la place. Et c'est donc terminé. Alors on a fait un temps, et ben regardez, on gagne 3000 en prix, ça c'est pas mal. On va voir déjà si on peut peut-être, alors je pense pas qu'on puisse acheter grand chose hein, vraiment, mais peut-être que l'on peut, alors, on peut enregistrer la course, on va faire continuer.
On va faire réglage et on va faire retour. Ah, c'est aller au garage, voilà, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, par exemple, je peux acheter. Qu'est-ce que je... Non, alors, je vais pas forcément acheter ça, je vais faire customiser. Vous voyez les prix par exemple, là j'ai 3000. Je ne peux rien acheter à part un échappement, donc ça augmente la vitesse de 5%. Ça permet d'augmenter la boîte de vitesse, les suspensions. Ou le super slick. Bah, typiquement par exemple, je vais acheter des chutes de suspension. Vous devez économiser de l'argent pour payer la prochaine inscription. Achetez quand même. Alors ça c'est vraiment pas mal comme choix parce que ça sous-entend que si je n'achète rien, je risque d'être en galère et de terminer avec peut-être 3000 crédits sur 6 courses. 3 fois 6, ça fait combien? Ça va faire 18 000. Donc dans tous les cas, si je termine 5ème à chaque fois, je ne gagnerai rien. Donc, est-ce que il vaut mieux pas que j'améliore et que j'essaie de gagner plus d'argent d'un coup? Ça c'est un peu compliqué quoi. Donc je sais pas trop, 5%, moteur à 3800. Bon écoutez, on va pas l'acheter, on va continuer. Et on va faire des parts, on va se débrouiller avec ça. Par contre, j'ai peut-être, comme c'est un circuit qui m'a l'air assez sinueux... Ah mais je peux pas changer de voiture, je peux pas changer de... de rapport d'étagement de boîte, donc je vais prendre une boîte courte. Alors, on est donc sur un circuit qu'on n'a pas fait tout à l'heure, ça c'est bien, on va découvrir un nouveau tracé. Ouais, j'ai une bonne accélération par contre, hein. Autant j'ai une mauvaise vitesse de pointe. Aïe, autant. Ah, la Mercedes, attention. Alors, je ne connais pas le circuit. On va céder un petit peu du coup du tracé en bas. Alors, je vous ai pas trop vu montrer le menu option. On peut activer donc le rétroviseur aussi. Et c'est tout, hein. On peut pas faire grand chose de plus. Là, on va avoir un gros virage normalement. Est-ce que je peux prendre à fond ce virage? Sans problème. On est troisième. Alors c'est sûr que j'aurais presque peut-être pas resté très longtemps dans cette position. Et derrière j'entends le bruit de la du quatrième qui essaie de qui va sûrement me rattraper. Faire attention. Alors je pense que pour que le jeu devienne bien intéressant, enfin en tout cas en termes de ski, il faut vraiment faut vraiment prendre le groupe B pour améliorer la voiture. Et pour l'instant, on est pas mal, on est troisième. Aïe, par contre, ouais, quand je freine et que j'accélère, j'ai un peu tendance à glisser. Bon, le bruit des planches, on dirait qu'il fait de la musique. Pareil, les livreurs sur les côtés qui n'ont aucun intérêt, j'ai pas compris le délire du circuit là. En fait, pour le moment, vous vous rendez compte, on peut quasiment prendre tout à fond. Hein. À part un virage pour le moment sur chaque circuit, tout le reste se prend à fond. Et si vous regardez attentivement, un petit peu, hein, si vous regardez, à partir de maintenant, le circuit, le tracé du circuit en bas, on dirait un petit peu le Hungaroring. Ça ressemble un petit peu, sauf que le Hungaroring a une version un petit peu plus longue qui a été rajoutée au fond. Hungaroring, c'est le circuit de Hongrie en F1, en fait, pour ceux qui ne comprendraient pas l'allusion. Le tracé ressemble beaucoup à ça. Enfin, en tout cas, au niveau du tracé, hein, pas les décors, bien entendu. Voilà, par exemple, les deux premiers, à mon avis, vont être imbattables parce que déjà ils font pas d'erreur et en plus bah, je suis pas forcément rapide. Je crois que je l'ai un petit peu recollé là, on va voir. Ah, pareil, hein, j'ai réussi à prendre un peu de vitesse, pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec une troisième place, je vais pouvoir du coup je vais pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et m'acheter mon turbo. Je pense que par exemple, si on avait des gommes 10% plus adhérentes, là ici, on aurait peut-être pu prendre tous les deux circuits à fond. Enfin, tous les deux virages où on est obligé de freiner à fond. Ça aurait vraiment été utile. Animé autour, enfin, je suis pas impressionné, mais je suis plutôt agréablement surpris, vous l'aurez compris, par ce jeu. Je vais finir un peu voilà, cette partie là. Et regardez, je l'ai recollé quasiment. Alors en ligne droite, je pense qu'il est plus rapide.
Mais vraiment, si j'arrive à gérer. Voilà, j'ai réussi à quasiment pas freiner, c'est parfait. Attention ici. Ouah! Il restera un tour après celui-là pour essayer de le rattraper. Alors la musique a changé aussi. C'est assez étonnant parce que je rappelle qu'on est 64, donc avec la cartouche et la place disponible, avoir plein de musique dans un jeu, c'est assez compliqué en termes de taille. Je laisse d'ailleurs imaginer si la merde. J'allais dire si la 64 avait eu un lecteur de CD. Mais finalement, il y a eu la DD, vous savez ce que ça donne hein, si vous avez eu des jeux de Nintendo 64 DD. Avec plus de textures, etc. un peu plus évolué, ou même l'extension pack. Ce qui aurait dû être tous les jeux 64 carrément, hein, l'extension pack. C'est vraiment le gros regret de la 64, hein, franchement. On aurait quasiment pu avoir des graphismes type Timecast dès 96. Ça aurait été super impressionnant. Et là, je pense qu'elle aurait tellement roulé sur tout. Je pense que là, Nintendo aurait fait le coup du siècle, enfin en tout cas, l'histoire en aurait été totalement chamboulée. Enfin bon, de toute façon, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, bon, j'ai foiré en fait dans mon dernier tour, du coup, je pourrais pas le rattraper, enfin, ça me semble compliqué. Ouais, non, ça va être compliqué, même si je fais pas d'erreur, je pense qu'à aucun moment, je vais pouvoir la rattraper entièrement. Regarde les effets de flamme aussi en haut. Sur les Derrick, hein, je crois qu'on appelle ça. Les Derrick, les extracteurs de pétrole. Pas confondre avec la série Derrick, évidemment. Bon, on termine 3ème, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça a un peu plus de thunes, 5000. Bon voilà, donc 5000 déjà, ce ratio-là c'est pas mal. On va peut-être mettre un peu plus de turbo, histoire de pouvoir aller légèrement plus vite. Et vous voyez qu'au classement on est 4ème, donc on n'est pas spécialement mal classé. On va faire continuer. On va faire réglage, et là justement on va en profiter pour aller au garage. Et on va acheter un turbo, non pardon, on va faire customiser. Oui par contre... Je ne sais pas, en fait j'ai turbo, mais on pouvait pas avoir de turbo. 5%, qu'est-ce qu'il dit le moteur? Oui, un moteur, bon, on va peut-être faire ça. Ah oui, par contre, je ne vous ai pas montré, on a aussi d'autres variantes. Regardez, là par exemple, on a mis un moteur, mais en version à 8500, qui fait monter encore plus la vitesse. Là on est à 189 par exemple. Trois variations, par contre on gagne 21 kg si on prend ce moteur. L'échappement, on n'en a qu'un. Turbo on peut pas, et moteur on a plusieurs choix, botte de vitesse non, suspension on peut les changer. J'hésite à prendre ce moteur là quand même. Si on prend un autre moteur, on pourrait aller beaucoup plus vite. Mais on gagne pas de poids, donc ça pourrait être intéressant. Bon, on va tâter le moteur, on va essayer de s'en sortir comme ça. Et s'il faut, on prendra des pneus un peu plus, avec plus de grip. Ah, ce moteur est déjà installé. Ah, donc il faut attendre 500. Bon, mais écoutez, on va prendre des meilleurs pneus alors. C'est quelle course qu'on va faire avant? On va faire laquelle? C'est du sec. Donc écoutez, on va faire ça. On va aller au garage, on va acheter. Non, on va acheter des pneus, pardon. Customiser. Alors, bah, si vous avez des arrêts sur l'image, c'est que je suis mis en pause parce que j'ai terminé. Alors, je vais faire au premier. Donc on va prendre des pneus, on va prendre des super slick pour avoir 10% d'adhérence. Pour voir un peu si on peut aller plus vite justement dans ce tracé. Donc on va mettre des super slick à 600. Voilà, on va acheter quand même. On va faire retour. Et là regardez, on va prendre des pneus super slick. Alors je sais pas si on peut faire un super départ, j'en ai pas vraiment l'impression, mais bon. Allez, dès le début, on va essayer de s'insérer sur le côté. Alors je n'ai droit qu'à un jeu de super slick, c'est-à-dire qu'en fait, si normalement, si je l'utilise...
si je l'utilise maintenant, j'en aurai plus pour la prochaine course. Donc là, c'est un peu all-in quoi. En gros, il va falloir que je fasse un bon résultat pour économiser un peu d'argent. A savoir que peut-être qu'à la fin de la coupe, si on termine dans le 3 premier par exemple, on va gagner un peu d'argent en plus. Ce qui me permettrait de pouvoir payer les prix d'inscription. Parce que vous imaginez quand même 20 000 là économisés. C'est quand même beaucoup. Alors là, on est dans un temple. Oh, regardez là-dessus. Oh, c'est impressionnant comme effet. Franchement, j'ai cru vraiment qu'on allait se faire écraser. De façon Crash Team Racing, pardon. Ah, regarde, on a même le. D'ailleurs, on a même le bateau qui flotte. Enfin, c'est. Non, vraiment, hein. Vraiment un joli jeu, 64. On va pas rentrer au stand, ça ne sert à rien. Par contre, ça va être très difficile de les battre. Hein, parce que là, même avec des BR gommes, ils perdent très peu de temps. De toute façon, je ne pouvais rien acheter, à part peut-être des 5% de puissance. Ah, c'est là il faut que je fasse gaffe. Avec le grip. Oh, je suis troisième, hein, c'est quand même pas mal. Et je crois que le jeu a conservé les traces de dérapage du tour précédent. En fait, j'ai cette impression. Alors c'est peut-être les traces de dérapage du pilote devant moi, hein. C'est possible aussi. Ah là, cet effet est vraiment énorme. Bon, en tout cas on s'éloigne, il y en a un quatrième qui est pas trop loin quand même, hein. Faut faire attention. Pas se louper. Ah, je vais pas réussir. Là j'ai quasiment pas freiné une seule fois du circuit. Je pense que les musiques, on en a peut-être 3 ou 4 petites battantes duel, mais c'est mieux qu'une seule. Mais il y a des endroits où je reviens un petit peu. C'est léger, mais je reviens un peu. Ah ouais, des fois, on a le jeu qui. Enfin, on est toujours à son FPS constant, mais on sent qu'il y a quelques petits ralentissements à certains endroits. Mais bon, c'est pas trop impactant vraiment. Les effets de flamme à chaque fois j'aime beaucoup. Je pense que ce jeu, si vous passez le cap du premier à première coupe où c'est effectivement assez lent, assez rébarbatif, parce que là vous voyez je reste appuyé depuis au plancher du début jusqu'à la fin quasiment, il y a moins que le jeu devienne intéressant par la suite. Ah, beaucoup plus intéressant, plus technique. Bon, je le rattraperai pas. Hein. J'ai quasiment pas lâché l'accélérateur, je ne passerai pas. Alors certes avec mes 5% de puissance en plus, peut-être que ça aurait fait la différence, mais je préfère un moteur. Et puis au pire, si on passe pas le championnat, c'est pas grave, hein. Ça sera juste pour... À la base, c'est pour vous montrer le jeu. Qui, ma foi, méritera bien, je pense, son heure de jeu. Je sais pas, je réfléchis. Est-ce que je monte jusqu'au bout ou est-ce qu'on s'arrête là et à vous de découvrir la suite si évidemment ce jeu vous intéresse. Je pense que je vais quand même vous montrer au minimum la voiture améliorée avec le turbo. Ouais, le moteur un peu mieux. Puis on se laissera là-dessus, je pense pas besoin de vous montrer tout spoiler non plus, sinon c'est pas d'intérêt. Bon bah là de toute façon, fait ce qu'on peut avec une voiture qui est bridée. On ira à 184 km tout à l'heure, mais les 11 km de plus vont être vraiment intéressants, hein, parce que vous voyez, j'aurai 11 km de plus, je pourrais suivre l'auto pour moi déjà. Et sans erreur, je pourrais les coller au train aussi. Bon, après, peut-être que ça serait plus compliqué dans les virages aussi avec la vitesse, mais bon. Une fois bien maîtrisé, il y a moyen de faire. Par contre, l'IA ne fait pas d'erreur, hein, vous aurez compris. Une fois qu'elle a sa trajectoire, elle la garde, elle ne fait pas. C'est juste vraiment du rapport poids puissance caractéristique de la voiture qui va faire que la voiture va aller plus vite ou moins vite. Et l'IA, elle, va pas se tromper. Alors on testera peut-être la version Dreamcast un jour, effectivement, pour voir si vraiment c'est si extraordinaire que ça la différence. Parce que vous savez que j'aime bien voir par moi-même en fait ce que vaut les jeux.
j'ai critiqué des fois par des journalistes qui ont chacun leur opinion, donc des fois la note peut être biaisée. Mais j'ai quand même lu les commentaires et bon, ça semble être quand même le cas de manière unanime. Alors, on a fini 3ème, on a 5000 points, donc 5000 crédits. Et classement, on est 3ème. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va... Oh, on peut enregistrer le pilote, évidemment. Donc on peut sauvegarder, par exemple, voilà. On va faire continuer. On va faire réglage. On va aller au garage, on va faire customiser. On a 20 000 crédits. Là, par exemple, j'aurais eu assez d'argent pour... Mais je vais quand même m'acheter un moteur à 8 000 parce qu'on est, taré. Crédit 12 000. On va faire pneu slick. Attends, on a un pneu à 12 000 aussi. On peut monter jusqu'à combien? Attendez. Ouais, on peut aller jusqu'à 150 chevaux. Bon, on va prendre un moteur. Voilà, moteur installé, ok. Et des gommes 600. Je vais prendre mes gommes quand même. 4 super pneus. Je vais quand même les acheter, parce que franchement, ça peut être utile. Et on va... Alors par contre, dans les réglages, il faut bien sûr que je les prenne, hein, parce que sinon... Ça ne sera pas pris en compte. On va faire départ, il y a la course zone 51, qu'on a fait tout à l'heure. Et on va voir, techniquement, la voiture, si elle est plus rapide ou pas. Ouais, dès le début, il nous bloque un petit peu. Oh, le petit jump. Attention au tank. Bon, on l'a fait avant, du coup, on devrait être moins surpris. Après, je peux être surpris par la vitesse de la voiture aussi. Et ouais, déjà, dès le début, on est premier. Ouais, j'ai peut-être bien fait d'acheter un moteur. 187 km/h des fois. 188 même. Oh, oh. Ah, par contre, ça devient plus technique, évidemment. Là, pour prendre le virage... Voilà, c'est ce que j'imaginais. Ça allait être un peu plus compliqué. Alors j'ai gagné 21 kg aussi, hein, ce qui fait qu'en maniabilité je vais perdre un peu. Du coup je les ai compensés avec les gommes. Alors vous aurez compris qu'on peut débloquer aussi les circuits donc à l'envers. Je sais pas s'il y a d'autres circuits prévus, je pense que oui quand même. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres circuits en plus. On va pas rentrer au stand, hein, ça ne sert à rien. Allez, si on pouvait finir la vidéo sur une victoire, ça serait quand même cool. Et là, on attaque une classe C. Imagine une classe A, comme ça doit être beaucoup plus complexe sur ce circuit. Ouais, je trouve couper, c'est aussi une bonne idée. Je ne prends pas particulièrement bien ce tracé. Par contre, là, le moteur fait vraiment, vraiment le taf. C'est-à-dire que là, je le remets vraiment avant. Alors, logiquement, au niveau du championnat, si je calcule les points, faudrait vraiment que je termine tout le temps premier pour peut-être avoir mes chances. Et je pense pas que je vais pouvoir gagner assez de points parce que je suis un petit peu en retard. Mais techniquement, si je gagne assez d'argent, je vais pouvoir quand même retenter ma chance. Ma chance pour le championnat la prochaine fois, donc je dois recommencer. Et je dois avoir quand même plus de facilité à remonter le championnat, parce que vous avez vu quand même maintenant avec un moteur ça va beaucoup plus vite. Donc on pourra peut-être considérer mon premier tentative comme un échec, mais enfin peut-être qu'avec les suspensions j'aurais juste eu assez pour pouvoir gagner ou faire la meilleure position, hein, ça en sera pas. Et comme je dis, si vous y jouez, c'est à vous après de faire votre propre stratégie. Vous voyez la relance, une fois qu'on a perdu la vitesse, on a accéléré, c'est là que la voiture est plus instable. Et j'imagine que certaines voitures, peut-être de B au groupe C, groupe A, ont peut-être plus de difficultés à être maniées à leur accélération par rapport à d'autres. Ce serait aussi intéressant de savoir ça. Le maniement est quand même très arcade, hein, ça vous l'aurez compris. Certes, il est très propre, très facile à doser, mais il reste ultra arcade. C'est un jeu d'arcade. Alors ce que j'aurais voulu avoir comme réponse par rapport au jeu, c'est vous avez vu qu'il y a avantage rien sur chaque voiture. Alors est-ce que par exemple certaines voitures ont des 10 bonus, ce genre de choses, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est les avantages, c'est tout simplement quand on l'a customisé, peut-être qu'il y a marqué
À part moteur amélioré, ce genre de choses, c'est pas trop. J'ai loupé. Bon, j'ai tellement d'avance que là, je peux me permettre à même de faire une erreur ou deux. Ce jeu, avec le... avec l'extension pack, s'il avait existé, je pense, aurait pu être magnifique. D'ailleurs, si vous voulez comparer des jeux avec l'extension pack, je crois qu'il y a Turok qui utilise l'extension pack. Il y a... il me semble qu'il y a Perfect Dark aussi, si je fais bêtise. Il y a quoi d'autre comme jeu? Il y en a plein, hein. Il y a Conquer Bad Fur Day, s'il utilise l'extension pack, je crois que c'est obligatoire, comme ça. Mais qui est vraiment très très joli, pour la Sony 4. Alors, il y en a d'autres jeux qui utilisent ce système. Mais c'est quoi la Dreamcast, hein? 64 Dreamcast, c'est un petit peu le même débat. Le fait de rajouter, de devoir prendre des équipements pour améliorer les jeux ou la vibration, etc. Quand à côté t'as une PlayStation avec bon, les manettes déjà toutes faites pour ça. Déjà le support CD, donc pas de problème texture, même la Saturn. Bon, Saturn a fait pareil avec l'extension de mémoire cartouche pour certains jeux. Bon, j'ai joué à des jeux de combat, par exemple avec des sprites plus précis, type Neo Geo. C'est le genre de truc qui marche pas en général, c'est soit la console intègre tout dès le début et les gens comme ça se préoccupent de ça, ça leur fait pas des frais supplémentaires, tout est bien fait à la base, soit il faut rejeter des choses et ça a pas marché. Donc là ça fait la même erreur, la 64 l'a fait, bon, c'est comme ça. Alors, et ben voilà, on a gagné. On a 10 points et on gagne 9000 en crédit, ce qui fait que je suis 3ème toujours. Mais voilà, trophée rien, j'ai 22 points, il reste 4-6 courses, donc il reste 2 courses. Donc potentiellement, si j'ai à faire 2 bons scores, on va dire 2 fois sur le podium, donc je vais gagner 5000. Donc là, je suis qualifié, concrètement, je pourrais faire la suite du championnat avec ma voiture. Donc on va enregistrer le pilote, voilà, et faire la saison 1. Je sais. Écoutez, on va faire revoir la course et on se laissera là-dessus. C'était donc le jeu Roadster sur N64. Bah écoutez, moi c'est un jeu qui m'a particulièrement plu, j'espère que vous aussi. Même s'il faut évidemment se passer toujours dans le contexte de l'époque. Regardez ces replays assez dynamiques, assez sympas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!